Salut les amis, salut à tous. Ici Kev Adams, Morgan VS, en direct pour vous à Paris au restaurant Jack Elsie. Pour ceux qui ne connaissent pas Morgan VS, c'est un génie sur YouTube, il fait plein de comparaisons comme ça. Le burger le plus cher, le burger le moins cher, là où il y a le plus d'alcool, là où il y a le moins d'alcool. Aujourd'hui, on est chez Jack Elsie. Aujourd'hui, on va comparer les burgers Jack Elsie, donc que moi je propose aux gens avec d'autres burgers. Alors moi, je t'ai préparé un burger ensuite que j'ai acheté, je t'avoue, sur internet. Parfait. Et je me suis commandé un petit McDo des familles pour comparer la valeur sûre, tu vois. Moi, je crois qu'il n'y a jamais de problème avec un McDo. Tu kiffes le filet au fish? Moi, je kiffe le McDo. Tu vois, le McDo pour la fonzaille, il n'y a rien de mieux. Oui, c'est vrai, mais Jack Elsie pour la fonzaille n'est pas mal non plus. Ah, tu vas okay. Voir. Bon, bah, c'est une fonzaille saine, tu vois. Donc, je vais te faire découvrir tout ça. Bienvenue chez Jack Elsie. On parti. Est avec Morgan VS, c'est Tipar. Avant que tu me fasses goûter tes petites merveilles, je t'ai concocté deux petites choses. D'abord, j'aimerais qu'on teste ça. C'est un petit burger en conserve. C'est énorme. Que j'ai trouvé qui vient d'Allemagne. C'est un des trucs les plus dégueulasses que j'ai goûté de ma vie. C'est énorme. C'est un burger en conserve. Rien que l'odeur, elle me... Je crois que c'est bon jusqu'en 2030 ou 2040. Oh my god. Oh putain de merde. Non mais frère, ils auraient pu faire un pain un peu plus petit pour que quand tu l'ouvres, ça soit mignon. Là vraiment, tu l'ouvres, tout est à vomir. Quand tu l'ouvres tout de suite... Quand tu l'ouvres tout de suite, une odeur qui vient de burger déjà, donc ça c'est plutôt positif, tu vois. Parce que ça aurait pu être une odeur de merde. Là c'est... Ça n'est pas loin, non, j'ai pas senti mon corps. Tu vois cette odeur, wow. C'est... Bah t'es pas en confiance du tout en fait. Tu savais que ça existait ça ou pas? Je savais pas que ça existait, franchement tu m'apprends quelque chose. Et c'est assez flippant que ça existe, je trouve en fait. Mais c'est plus cher qu'un McDo frère, ça coûte 6 balles le burger. Je te crois pas. 6 balles, ouais. Bah ouais, mais il faut pas du coup. Hein. Faut pas être pressé quoi. Bon déjà, ça dépend du temps que vous avez à la pause déj, mais là il faut du long temps tu vois pour la pause déj. Voilà, il est important de lébranler le burger comme ça assez longtemps. Moi je pense qu'il y a vraiment rien qui tombe en fait. Non mais frère c'est... Je pense qu'il faut un couteau. Ah non, je pense qu'il faut un couteau non. Tiens mec. Alright my god. Frère c'est pas possible en vrai. Et c'est quand même ouf parce que c'est un burger mais j'ai peur d'y mettre mes doigts quoi. Théma, ça a cassé le couteau en plastique. C'est quand même fort. Ok, ok, on l'a. Wow, my god. Je suis plus très sûr de le goûter celui-là en vrai. Non mais ça c'est... Ils ont jamais dit que c'était pour manger hein. Le pain, oh my god, indigène. Attends, mais filme ça vite fait. Je crois qu'on peut pas le manger. Le steak est là. Et en Allemagne, vraiment, apparemment, les gens achètent beaucoup ça. Mais non, personne n'achète ça, voyons. Les gens qui achètent ça, c'est des assassins. Voilà, le truc sort de la conserve dans cet état. C'est énorme. Ouais. Couleur du steak, poteau. Voilà, va checker ton paillasson devant chez toi. C'est la même matière. On est sur le même délire. Et alors là, waouh. Non, il faut surtout pas manger ça. Moi, je crois que ça peut être potentiellement dangereux pour la santé. Ouais, c'est ultra vénère en termes de tout, en plus. Le pire, c'est que là-dedans, il y a une tonne de sucre, de sel, de merde. Bon, ça, je t'ai pris les filets au fiches, frère. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Tu kiffes McDo? Moi, j'adore. Et ça m'empêche pas de kiffer ici aussi, tu vois. Mais je kiffe McDo, ouais. Moi, j'aime beaucoup le fish. Pourquoi? La sauce est idéale, tu vois. On dirait clairement un placement pour McDo. La sauce est idéale. C'est énorme. Ça, c'est très bon. Mais dans ce sandwich fish, que je prends énormément de plaisir à manger, je préfère le rappeler, il y a 13 grammes de sucre. Ça veut dire qu'il y a 13 grammes. Tu vois, un sucre que tu mets dans ton café, c'est 1 gramme. Donc imagine un sucre de gras de beurre comme ça, il y en a 13 là-dedans. Ouais, vu comme ça, d'un coup, tu te dis ah merde. Mais c'est ça qui fait que c'est excellent. Là, il y a un truc qui est très dangereux qui s'appelle les acides gras saturés. L'acide gras saturé, c'est ce qui met entre tes organes. Donc c'est du gras, mais qui va pas aller là où on a tous du gras. Ça va aller entre tes poumons, entre ton cœur et le reste des organes, entre ton foie et le reste des organes. Et c'est ce qui va créer des gros problèmes de santé dans 10, 15, 20 ans. Et du coup, t'as combien de burgers là que tu proposes bien? Alors nous, on a 4 burgers ici qui sont disponibles et qui sont déclinables. C'est-à-dire qu'on a 4 burgers, on a ce qu'on appelle un burger au poulet, un burger au poisson, un au bœuf et un veggie, okay. Ça c'est les 4 recettes de base. Chacun de nos steaks est évidemment ultra contrôlé. Donc notre steak veggie c'est des haricots rouges, c'est un goût de steak, c'est super bon. Le bœuf c'est un bœuf qui vient, c'est un bœuf français qui vient de Lyon. C'est un bœuf qui a un compte Instagram. C'est un bœuf que tu peux suivre sur Insta. Il parle de ça. Puis d'ailleurs il est là, viens là. C'est un bœuf qu'on aime. C'est un bœuf qui vit juste là au-dessus. Tiens, je vais t'amener le... T'as compris que je connais pas le menu par cœur? Ça fait plaisir. Incroyable. Tout est fait pour que ça dépasse pas 500 calories. Tu vois, ça, c'est 330. Tu vois, 330, c'est as. C'est la taille de ça, ok? Moi, ce que je te propose là maintenant, c'est un burger, plus un accompagnement, plus une boisson pour 500. Donc, ça, c'est le Jack minceur. Ensuite, t'as le Jack équilibre. Équilibre, c'est-à-dire moi, j'ai pas envie de mincir spécialement. J'ai pas envie de grossir non plus. J'ai envie de rester dans un nombre de calories normal. C'est-à-dire que tu vas avoir quand même une petite sauce qui fente. Tu vas avoir quand même une petite slice de cheese. Tu vas quand même te faire le kiff, tu vois. T'es pas non plus en mode je suis au régime, mais
tu vas te sentir super bien. Ensuite, tu as le sportif. Le sportif, c'est 800 calories. Donc, on approche plus du nombre de calories qu'on va trouver au McDo. Mais au lieu de te les donner en sucre et en gras, ces calories-là, ouais, nous, on te les donne en protéines. Pas seulement un steak de bœuf, mais deux, pour que tu aies un max de viande et que tu aies de la bonne bouffe, et que tu sois bien calé, mais en bonne bouffe. Et après, tu as Jack Liberté, c'est genre, m'emmerdez pas avec vos trucs de minceur, muscu et tout machin, je fais ce que je veux. Donc là, tu choisis ta et viande, tu fais ça, ton la truc, voilà. Et après, évidemment, tu as les desserts qui sont tous aussi étudiés pour que ça soit bien, bien... Tout est fait pour que tu puisses kiffer. Ok, et toi, du coup, tu vas prendre lequel, là? Moi, je vais goûter le minceur. Moi, je vais prendre un équilibre veggie, et je vais me prendre aussi des pancakes au chocolat. Et moi, je prends frites de patates douces. Ah, tu kiffes ça. Je les kiffe de ouf, ces frites de patates. Moi, j'avoue, mais ça devient à la mode en plus, mais moi, je vais prendre ça aussi, vas-y. Ça va être light, hein, tu comprends? Ça va être très light. Ça va pas être comme un domac. Donc tu vas voir, au premier croc, ça va être chelou. Et en fait, il faut réhabituer ton palais à un truc où tu dis, ça c'est sain, putain. Ouais, parce qu'on s'est trop habitué à. Mais après, en même temps, à KFC, tu sais, ils font les burgers poulet et tout, genre, c'est pas très gros aussi, non? Bah, à KFC, c'est pané, non? Ouais, ah ouais, c'est ça. Ouais, y a pas plus gras au monde. Ah, ouais, on est là-dessus, hein. Et Pierre Ménès, quand même, hein. Je quitte cette vidéo. Voilà, on y va. Là, j'ai burger vegan équilibre, plus frites de patates douces, plus un jus, ajouter la formule. Là, je vais me rajouter ce que je t'ai dit tout à l'heure, des pancakes chocolat. N'oubliez pas d'envoyer la commande en cuisine quand tous les convives de la table ont fait leur choix. C'est le minceur que je... Frites, patates douces. Et là, bam, ça part. C'est clairement parti. Ah, si, j'avais une question, pourquoi ça s'appelle Jack en fait? Pourquoi Jack? Elsie, c'est une très bonne question, c'est parce que on est trois créateurs de ce concept. Ouais. Johan Exili, donc le J, Anne Sachet qui est la patronne, et le K pour Kylian Mbappé qui est le troisième actionnaire. Ah bon? Ah ouais, excellent mon gars. Dans ce burger là, il y a 1000 fois moins d'acides gras saturés puisqu'il n'y en a pas, par rapport aux fiches qu'on a mangé tout à l'heure. Okay. 1000 fois moins. Il y a 4 fois moins de sucre, 10 fois moins de gras. Donc oui, si, tu dois le sentir un peu normalement. Là, je me dis, peut-être on devrait rajouter du gras quand même. Passe-moi le jaune qui a son foie gras, s'il te plaît. Je vais tartiner. En fait, moi, pour l'instant, c'est la sauce que je trouve moins grasse. Moi, tu vois, genre, quand je vais à McDo, ce que je kiffe, c'est les sauces. Tu vois, le Royal Deluxe et tout, mais il y a la sauce. Même, je la termine au watt, tu vois. Et les prix, parce qu'on n'a pas parlé des prix. Les prix, c'est à peu près 13 balles, 12 balles le menu. Donc c'est plus cher qu'au McDo, par exemple. Ouais. Mais c'est moins cher que chez Big Fernand, tu vois. Mm. On est vraiment, c'est sûr. On est dans le middle price du burger, quoi. Oh, tu parles anglais? Ouais. Middle price. La traduction s'affiche tout de suite en bas de cet écran. Je sais pas du tout. Bah, je repère par contre qu'il n'y a pas de grasse sur les frites. Là on dirait des patates que tu as coupées. Exactement. D'où la patate douce, c'est tellement meilleur quand c'est coupé comme ça, tu vois. C'est la frite la moins grasse qui existe. Du coup, c'est plus trop une frite, mais c'est une frite qui est pas grasse du tout. Donc il n'y a pas de sauce du coup avec les frites. Ah, mais lui, les sauces barbecue de chez McDo. Yeah, on va. Il sort le vieux truc de sauce algérienne. Sauce samoa qui met tout le burger. Comme dans les kebabs. Tu veux quoi? Sauce blanche, sauce jaune, sauce rouge, sauce schtroumpf? Sauce ch'ti maintenant. Enfin, franchement, c'est bon. Mais par contre, ça se voit que je vais pas avoir mal au bide quand je vais finir. Frère, t'auras pas mal au bide jamais. Ça va te mettre bien. Et tu peux manger ici tous les jours. Y'a même pas d'antivomitif? Jamais de grossière. Eh non. C'est chelou ça. C'est bizarre. Hein. Nous qui sommes habitués à manger depuis tout petit. Faut que c'est qui veut goûter les petites frites, les gars? Je suis chaud. Ah, viens, allez, viens. Comment s'appelle ton frère? Liron. Liron. Mais tu peux l'appeler Liron Man. T'es pas trop fan d'ici, tu m'as dit tout à l'heure en off, non? Tu m'as dit c'est bon, mais c'est un peu surfait. Ouais, c'est vrai, mais... Oh, il est trop gérant, oh là là. Un génie, ce gars. Non, en vrai, c'est très bon, c'est très bon. T'aimes bien ce qu'il fait ou pas? Tu trouves ça... Est-ce que tu le trouves marrant? Ouais, il est marrant. Ah ouais? Oh, il est drôle, il est sympa, quoi. Ouais, il est marrant. Moins que Squeezie, mais. Voilà, quoi. C'est assez simple, hein. Burger sain. Tu bouffes un burger. Et y a pas de gras, y a pas de sucre, y a pas grand chose quoi. Ah, on a mangé des galettes de riz avec Kev, oh, franchement, eh, nickel quoi. Hyper bon quoi. Pas bon, enfin pas mauvais d'ailleurs non plus, mais. Enfin, on est en bonne santé quoi. Moi je respire mieux depuis. Putain, mais t'as tes pancakes aussi toi. Ah ouais, je vais les taper cash. Mec, ces pancakes, c'est les meilleurs pancakes du monde. Venez ici juste pour bouffer les pancakes. Good ass, ton après-midi va vraiment s'illuminer. Ah ouais, carrément. Mmh. Bon bah, ouais. Je veux que c'est trop bon, mais moi je t'avoue que. Je prends pas trop de chocolat quand le pancake est bon et que la pâte est bonne. Ouais. Je sens pas trop de trucs pour ce que je trouve, du coup, on sent moins la pâte. C'est vrai qu'on consomme moins la pâte, mais là, le chocolat est bon aussi. Ah, tu kiffes le chocolat, toi. Est-ce que ça se voit? Moi, j'adore le chocolat. Je vais goûter, frère. Ah, j'avoue, c'est très bon. C'est bon, hein. On sent pas du tout l'épinard, ouais. Non. Ça manque de rhum. Il y a de l'épinard dedans. Ça manque de quoi à ton goût? Un peu de rhum. Bah voilà, moi c'est cette vidéo-là que je voulais faire. Putain, pourquoi on bouffe des burgers là? T'inquiète, on va faire un tournage sur le mojito ensemble. Ah ouais, c'est ça. T'inquiète pas, frérot. Là, on va être bien, bien morasse.
C'est dur, on va chez Nature et Découverte après. On va acheter un petit râteau et du sable comme ça, ça nous détend. Ça va être tellement génial. C'est énorme. Et on achète plein de graines sans savoir quel arbre ça correspond. Et comme ça, on les plante et 6 mois après, surprise. Juste un peu de luminothérapie aussi, c'est bon pour le teint. Tiens, ce serait génial. Morgane, merci à toi. Mais mec, de m'avoir accompagné dans cet épisode Jack Elsie-esque. J'espère que ça t'a plu et que t'as passé un bon moment. De ouf. Et n'hésitez pas vous aussi à venir à Jack Elsie pour goûter nos burgers sains. Voilà, et tout simplement. Fait, et nous donner vos avis. Et à chaque fois que quelqu'un vient manger ici, il mange avec Eve qui lui explique les bienfaits des acides gras saturés. Exactement, plusieurs fois par jour. D'ailleurs, je vais te laisser parce que j'ai Jérémy. Jérémy, c'est à toi, on va manger. T'es prêt, Jérémy? Eh ben, on va manger. On dirait un vieux psy. Le mec, toute la journée, il fait « Ah, eh ben, c'est avec des épinards et des épinards. » Merci à toi, Jérémy. Michel, allez, et hop, ça vient toute la journée, le mec, il bouge des burgers, l'Easter. En tout cas, sachez-le, c'est ça. Pour clôturer, il faut savoir que non, ça n'a pas le même goût que chez McDo, puisqu'on est tous habitués à ce goût-là depuis qu'on est tout petit. Encore une fois, ce mélange de sucre et de gras, ça a un autre goût, un peu surprenant au début, ouais. Tu l'as vu. Et après, quand on s'y habitue, c'est une nouvelle manière d'adapter son alimentation et c'est bon pour vous, pour vos petits frères, pour vos enfants. Pensons à l'avenir, mangeons sain. À bientôt et vive les épinards.